vous allez bien? Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve donc pour la seconde partie de l'unboxing de mon site, c'est un de mes sites préférés, Fanzel. J'aime bien, c'est original, voilà. Après, maintenant, l'originalité, c'est vrai que j'ai presque tout fait dans les prix, hein, parce que forcément, on est limité au niveau des tarifs. Il y en a un qui me plaît bien, mais déjà lui tout seul il fait 28 euros, après ça me laisse plus de place pour le reste. Donc là, ben, j'ai choisi des petites choses sympas, et donc c'est la deuxième partie, donc c'est la partie point de croix. Alors point de croix, comme j'ai envie de les terminer en fait, ben, j'ai pris une petite. Alors c'est une petite qui fait... Alors, c'est marqué 120 par 120. Donc, c'est 12 par 12, je pense. Donc, vous voyez, c'est petit, quoi. Comme ça, je la fais, puis je vous montre le résultat et je l'encadre comme mon petit phare. Vous vous souvenez, mon petit phare? Et ben voilà. Donc là, c'est pareil. Et j'ai décidé de tester ces petites bonnes femmes, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc, j'ai pris ce modèle avec du bleu, parce que j'aime bien le bleu, le turquoise. C'est une estampée, hein, parce que des fois, ben, on va tellement vite qu'on oublie de contrôler si c'est de l'estampée ou du comté, puis on se retrouve avec du comté. Donc moi, ça m'est arrivé deux fois, je crois, donc ben là, je fais bien attention, parce que le comté, je ne le fais pas. C'est même pas la peine, c'est crisplant plutôt que détendant, alors que dans les estampées, eh ben, on n'a qu'à suivre les caractères, et puis c'est tout, voilà. Donc, et j'ai pris pour faire avec un petit ciseau, ça y est, j'y arrive, un petit ciseau. Alors, vous savez, c'est comme ils disent, la grue en plein vol, voilà, et couleur arc-en-ciel. Et je tiens à dire que, là j'en ai, mais c'est pas les mêmes, ceux-là, c'était ceux que j'ai achetés chez Amazon. J'en ai acheté, oui, j'en ai acheté, ça m'est arrivé d'en acheter. Alors... Ça ne veut pas partir, ça ne veut pas passer, ça pourquoi? Alors, restons calmes. Reste calme, Catherine. Reste calme. Ne crispe pas surtout. Ne crispe pas surtout. Voilà. Voilà. Hop, j'ai réussi à ouvrir. Et voilà. Regardez. Alors, il est tout léger. Et il ne veut pas se décrocher. Ben oui, forcément, il y a un bout. Je disais, il ne veut pas s'ouvrir. Voilà. Et ces petits ciseaux, je le sais par expérience, coupent très bien. Alors, j'ai les mêmes que ça, mais en couleur argentée. Et je trouve qu'ils ont une ligne magnifique, quoi. Ah ouais, je sais plus le prix, c'est 2 euros et des bricoles. Et moi, je les trouve super beaux. Voilà, allez, on va les rembobiner dedans. Voilà. Hop, et on remet. Alors, je vais essayer de ne pas m'abîmer les ongles. Voilà. Voilà, donc j'ai pris le petit ciseau pour faire. Alors, on va baisser la caméra pour vous montrer l'objet plutôt que moi. Alors, où est le truc? Il est là. Chaque fois, j'ai du mal. Alors, c'est une petite poêle, donc ben, je vais me régaler parce que c'est petit, c'est bien. Voilà. Donc, vous avez ici... Alors, c'est tout en chinois. Hein. Alors là, c'est débrouille-toi. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de point particulier, je ne pense pas. Alors, normalement, c'est du 11 CT. Voyons, c'est marqué 11 CT, parce que vous savez que je prends que du 11 CT, ou du 6 CT. Vous savez, le toucan que j'ai de... Je crois que c'est le même site. Ou le DI, je ne sais plus. Enfin, bref. Donc, on a 16 couleurs différentes. Hop. Alors, ça, mon truc, il est... Voilà. Le patron. Par contre, je ne sais pas si le tour, à mon avis, le tour, il n'est pas fait, mais moi, je le ferai parce que j'aime pas quand il n'y a rien autour. Ça, on a les explications, tout ça, du début jusqu'à la fin. Et donc, voilà. Voilà la petite toile. Ah, elle est quand même grande, hein? Attendez. Ça, voilà, c'est l'endroit. J'étais en train de réfléchir ce qui était l'endroit et pas... Parce que la toile en elle-même, donc, elle fait
C'est une 28. Par 27. Ouais, alors ça, c'est génial, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'on peut jouer là-dessus, on peut jouer sur les côtés. Voilà, pour les encadrements, je parle. Hein. Donc, 16 coloris, voilà. Donc, ben, c'est facile à faire parce qu'il y a des grosses parties. Confetti, il n'y en a pas. Franchement, il n'y en a pas. Et le tour, je pense que le tour, c'est pas. Il est pas fait, je pense pas. Non, il n'est pas fait. Parce qu'il n'y a pas de partie blanche ici. Mais moi, je le ferai. Alors, au niveau. Ah, il y a un beau toolkit. Parce que j'étais en train de regarder. Il y a juste une aiguille là. Ben non, regardez. Il y a un toolkit pour une si petite toile, quoi. C'est super. Alors, ça s'ouvre là. Ah, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Merci, Fanzel. Alors, il y a l'enfil aiguille là, vous voyez. Alors, ça c'est. Pour ça, ce qui ne voit pas trop. Alors, par contre, les petites aiguilles, là, elles sont pas. Elles se sont échappées. Ah, du petit hérisson, là, le petit pompon hérisson. Vert anis. Alors, je vais les piquer dedans. Donc, une. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Il y en a cinq. Il y a cinq aiguilles. Voilà. Et le petit truc là pour protéger, mais pff, voilà, il va là. Et puis moi, normalement, il faudrait protéger là, mais là, ça tient pas. Donc, c'est vrai que. Et puis, j'arrive pas à travailler avec quelque chose sur mon doigt. Ça, c'est fou, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, le toolkit, merci, super. La petite aiguille là, je la laisse parce que moi, en général, je laisse mon aiguille sur la toile. Alors, en plus, c'est tout surfilé. Tout le tour est surfilé. Il est même terminé, là, je veux dire. Vous voyez, cette partie-là, elle est tissée très, très, très serrée. Voilà. Ah, ben, c'est super. Les caractères, rien à dire. Non, non, franchement, super bien. Alors, voyons les... Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ça, j'aime bien. En fait, j'aime bien parce que quand on commence, on sait qu'on va terminer. On ne va pas terminer dans un an ou 6 mois ou autre. Et puis, on s'en lasse pas comme une grande. C'est pour ça que j'ai plusieurs grandes en cours, parce que je me lasse. Là, en ce moment, je suis pas du tout point de croix, mais j'ai envie de commencer un point de croix, quoi, un petit. Voilà. Et donc, nous avons les 16 couleurs et le blanc, genre le blanc, c'est le numéro 16. C'est le bleu, donc c'est là. Alors, voyons, où est la photo? Que personne ne sorte. Voilà, la photo, elle est là. C'est sa petite robe. Avec les petits dessins, regardez, c'est joli, hein. Moi, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc, le coton, il est satiné, il est beau, il y a des beaux... En fait, c'est pas du bleu, c'est du... comment on appelle ça? Bleu canard, un peu, voilà. Il y a des belles couleurs, regardez, il y a un peu du turquoise, là. Voilà, non, moi, j'aime bien, franchement. Le sombre, il y en a quand même un paquet, là. Ah oui, c'est sa chevelure, c'est tout ça. Toute sa chevelure là, voilà, ça c'est noir de noir, mais bon, on fait ça bien en plein jour, et puis comme il n'y a pas de confetti, il n'y a rien, donc c'est super bien. Voilà, mais écoutez, elle est géniale, c'est génial, moi j'adore. Peut-être que je continuerai cette petite série aussi, j'en aurai pour la vie, hein, pour de faire tout, enfin ça dépend jusqu'à quel âge je vivrai, mais au niveau des points de croix, waouh. D'ailleurs, je trouve que je ne vous fais pas gagner des choses en ce moment. Donc, ce que je vais essayer de reprendre un peu les surprises. Parce que on ne vous gâte pas en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Sur aucune chaîne, j'en vois d'ailleurs. Alors, je vais vous faire gagner quelque chose. Je vais faire du tri et je vais vous faire gagner quelque chose. Voilà. Parce que... ça faisait longtemps et les concours, c'est bien. Alors ça, je vais le mettre dedans pour montrer que c'était le même site. Fanzel, hop là. Et voilà. Et donc ça, c'était la partie point... On la voit plus. La partie point de croix. Voilà, j'ai pris un petit truc qui se fera. Voilà. On verra le résultat assez rapidement. Parce que quand je fais quelque chose, je m'y mets sérieusement, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, ça, c'était la partie point de croix.
J'espère que ça vous a plu. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ces petites poupées. Goshi, Toji, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et puis en chinois, je ne sais pas. Hein. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, ce n'est pas grave. Dans le montage, je regarderai et je vous le mettrai. Je vous le mettrai. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. J'espère aussi que vous allez passer une belle journée. Ou une bonne soirée, toujours suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous, hydratez-vous, il fait très chaud. Oh, hier soir, quand j'ai fermé les volets, j'ai cru que j'étouffais dehors. Heureusement qu'on a la clim. Oh, la clim, je la bénis, on respire, on est bien, on est bien, on est bien. Bon, c'est pas bon pour la planète, mais c'est bon pour notre corps. Voilà, allez, je vous dis, prenez donc bien soin de vous, hydratez-vous, et je vous dis, bye.